Minasan, konnichiwa, c'est Santillane de Nipponment. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau cette semaine. Alors, cette semaine, au programme, je vous propose d'apprendre 10 objets du quotidien. C'est vraiment du vocabulaire indispensable, de base, y compris pour les voyageurs. Allez, on va voir ça ensemble. C'est parti! Allez, c'est parti pour nos 10 mots. Concentrez-vous et répétez après moi. Un billet de bus, de train, de métro. Qui peut. Qui peut. Qui peut. Le porte-monnaie ou le portefeuille. Saifu. 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 Les bagages, que ce soit des valises, des sacs, etc. Nimotsu, nimotsu, nimotsu. Que ce soit une voiture de location ou la voiture d'un ami. Kuruma, kuruma, kuruma. Qu'il soit électronique, que ce soit une appli ou que ce soit un dictionnaire papier. Jisho, jisho, jisho. Que le sac soit grand ou petit, c'est un kaba. En japonais, ça ressemble. Kaban, kaban, kaban. Que ce soit la clé de la voiture, de la chambre d'hôtel ou autre. Les clés. Kagi, kagi, kagi. Parce que ça peut être important, les médicaments. Kusuri, kusuri, kusuri. La maison. Ye, ye, ye. À ne pas confondre avec non, l'inverse de oui. Ye. Pour envoyer lettres ou cartes postales, le timbre. Kite. Kite, kite. Allez, c'est parti, on relit ensemble. Kipu, le billet. Kite, le timbre. Saifu, le porte-monnaie. Kaban, le sac. Kuruma, la voiture. Ye, la maison. Jisho, le dictionnaire. Kagi, les clés. Nimotsu, les bagages. Kusuri, les médicaments. Ça t'a plu? Alors n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et surtout à t'abonner. C'était Santillane de Nipponment. Matane!